l'intimité que nous montons tous par l'assistance et par l'aide du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant, en ton nom, j'imbibe, joint d'huile ces enveloppes dans le nom de Jésus. Brinda soro bara la gloria anda brais. Reda brada soro bara la cla. Haede soro bara la gloria anda bro. Renda baba sheta ramage. Rede gloria anda brada sete rede bros. Bouge. Praede soro bara la gloria anda brada sot. Haede gloria anda brada sere mara la condara. Vérifiez que tout soit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est un geste symbolique mais prophétique. Alléluia. C'est une enveloppe simple comme toutes, mais c'est un geste que nous marquons. L'huile a toujours symbolisé la présence du Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu a fini son message en disant, c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans les profondeurs. C'est le Saint-Esprit qui nous prend et qui nous fait quitter de l'étape de serviteur à l'étape de ami, de l'étape d'ami à l'étape d'épouse. La Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viennent. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre toutes ces enveloppes avec l'onction du Saint-Esprit dans laquelle je mets mon offrande pour dire, je veux cet esprit, attire-moi vers le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Et comme ça, en même temps aussi, une part à ce programme, je vais procéder ainsi. Alléluia. Je veux un certain nombre de personnes. Il nous faut au moins 1000 personnes, sinon 800 personnes. Qui, même je n'ai pas le temps de compter les personnes. Hein, vous n'avez qu'à lever la main, mais qui vont faire au moins une offrande de 100 000 francs ce soir même ou demain ou après-demain. Amen. Avant la fin de la conférence. Alléluia. Alléluia. Si tu vas faire les 100 000 francs, au moins 100 000 francs. C'est-à-dire tu peux faire plus selon ce que le Seigneur te met à cœur, mais au moins 100 000 francs. Garde la main levée. Maintenant, les portiers, prenez les enveloppes. Amen. Et puis allez donner à ceux qui ont... Voilà. Vous me gardez un autre lot. Je vais faire pour ceux qui vont faire au moins 50 000 francs. Mais pour ceux, toi qui peux faire au moins 100 000 francs, lève la main, lève la main. Maintenant, allez rapidement dans les rangées. Prenez, allez rapidement. Hein, qu'il y en a plusieurs, il y a du monde. Donc, voilà. Quand je dis aller rapidement, ce n'est pas dire ne marchez pas, courez. Hein? Voilà. Regardez les mains levées et allez. Amen. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas prendre une enveloppe de 100 000 francs, tu l'as. Dès que vous avez parcouru les 100 000, vous me dites. Et on donnera l'opportunité à toute personne de prendre l'enveloppe de l'onction. L'enveloppe imbibée d'huile représentant l'action du Saint-Esprit pour des montants pour environ 50 000 francs aussi. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne dans nos vies. Ouvre nos yeux ce soir. Ouvre nos yeux à ta parole. Nous prenons par ces offrandes part à ce programme. Tu as dit, faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Et déjà depuis mardi, nous sommes enseignés, nous sommes challengés, nous sommes attirés dans ta présence. Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Saint-Esprit, tu es la réponse à la soif de nos cœurs. Pendant que tes serviteurs prennent ces enveloppes, propulse les vies, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va, tout le monde a été servi? Bon, qui peut me répondre? Ok. Maintenant, si tu vas... Est-ce qu'il y a encore des enveloppes disponibles? Voilà. Ok. Si tu fais ce que tu peux. Tu peux aller... Tu peux faire une offrande de 50 000. Tu lèves la main et tu prends une enveloppe. Il n'y a rien marqué là-dessus. Toi-même, tu sais ce que tu as dit. C'est en Dieu et toi. Amen. Et après ça, pour les autres, comme on n'a pas suffisamment d'enveloppes, les paniers vont passer tout à l'heure et l'offrande a totalement le même sens. Amen. Seulement juste, ça veut dire que tu n'es pas dans au moins le 100 000. Alléluia, vous avez les enveloppes. Voilà, venez, venez rapidement. Donne-moi lui. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Tu sais ce que tu dis à Dieu dans ton cœur, ce que tu t'apprêtes à faire. Amen. Au nom de Jésus. Voilà. Toi qui veux faire à peu près 50 000, garde la main levée.
Garde la main levée pendant que les enveloppes arrivent. Ok. Il y en a sur ma gauche. Les portiers, bougez aussi, allez rapidement. Voilà. Pour que tout le monde soit servi. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Maintenant, toi aussi tu veux participer à cette grâce d'onction. Mais il t'est difficile de faire au moins 100 000 ou 50 000. Mais tu veux aussi participer. Ton offrande est agréable à Dieu. Alléluia. Ton offrande est agréable à Dieu. Ne la sous-estime pas. Dieu connaît la valeur de ton sacrifice. Il sait ce que tu sacrifies. Et je veux prier avec cela. Alors si tu as ton enveloppe ou si tu as ton offrande simplement dans la main, dans n'importe quelle enveloppe, tiens-toi debout, je vais prier. Amen. Tiens-toi debout avec ton offrande, les paniers vont passer. Tiens-toi debout avec ton offrande. Toute autre offrande. J'ai parlé des enveloppes de 100 000 qu'on a distribuées, 50 000 qu'on est en train de distribuer. Mais tu voulais faire une offrande, tu veux participer à ce programme à ta manière. C'est 100 francs, 1000 francs, 2000. Ce que ton Dieu te met à cœur maintenant de faire, tiens-la dans ta main. Et tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Alléluia. Voilà. Ceux aussi qui ont pris des enveloppes, tenez-vous debout. Que tu mettes ton offrande aujourd'hui là-dedans, ou que tu la mettes demain, ou que tu la mettes... Tiens-toi avec ton enveloppe. Tiens-toi debout. Les paniers vont passer pour recueillir les enveloppes que certains ont remplies maintenant. Si tu n'as rien mis dans l'enveloppe ce soir, tu peux le mettre, l'apporter demain pendant les sessions matinales. Amen. Voilà, tu peux juste écrire là-dessus. Si tu peux marquer aussi le montant, juste sur l'enveloppe, 100 000 ou 50 000. Et tu pourras l'apporter demain ou ce soir ou demain soir au rassemblement. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. André, tu n'es pas content de donner, hein? Si tu es content pour te donner, donne un bon amen. Est-ce qu'on a trouvé le amen des amoureux? Quelqu'un? Bon, demain à la session, je vais prendre au moins 3 personnes qui vont me... pour qu'on valide la forme du amen des amoureux. Peut-être c'est... Amen. Amen. Ok, donc demain spécialement, on va retenir, on va trouver la forme du amen de celui qui aime Jésus. Amen. Est-ce que tu as ton offrande dans la main? Tiens-la, élève-la vers le Seigneur. Élève-la vers le Seigneur. Et répète avec moi, Seigneur, aucune somme d'argent ne peut acheter ta présence. Tu as donné ta vie pour moi, par grâce, par amour. Pardonne-moi de m'être approché de toi par peur, par recherche d'intérêt personnel. À partir de maintenant, je veux m'approcher de toi juste parce que je t'aime. Je veux te servir parce que je t'aime. Je veux être ton ami, parler avec toi, écouter ta voix, porter tes fardeaux parce que je t'aime. Je veux être ton épouse parce que je t'aime. Mais Seigneur, tu m'as aimé le premier. Pardonne-moi de ne pas avoir su répondre à cet amour. Aujourd'hui, dans ta présence, je réponds amen à cet amour. Je t'aime Jésus au-delà de tout, plus que moi-même. Seigneur, agrée mon offrande. Agrée mon offrande. Tu as déversé à cet endroit une onction pour nous conduire dans ton intimité. Ta présence est là, dans la parole, dans l'atmosphère, pour nous conduire dans ton intimité. Dans cette présence, j'amène cette offrande. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'en supplie, saisis-toi de moi, ouvre mes yeux et apprends-moi à être plus proche de Christ. Fais-moi monter dans les dimensions élevées. Saint-Esprit, conduis-moi
au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Voilà, tu peux maintenant apporter ton offrande. Il y a des paniers devant toi où il y a les paniers qui vont circuler. Tu peux apporter ton offrande. Et pendant que tu apportes ton offrande, juste pour terminer, des annonces importantes. Donc demain, nous nous retrouvons aux sessions matinales. Et demain, alléluia, on va commencer à écouter les enseignements. Amen. On va commencer à écouter les enseignements avec ce père, cet homme de Dieu, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Et je vous assure, je sais que Papa Karambiri arrive avec quelque chose de très spécial parce que ce thème lui parle fortement. Amen. Amen. Voilà. Il sera depuis les sessions du matin. Alléluia. Alléluia. Donc demain matin, à l'église Sainte Kodesh, nous avons ce programme-là. Et demain soir, on est ici dans la parole de Dieu. Je ne vous dis pas encore quel sera l'orateur. Ça sera extraordinaire. Amen. Et juste après la session, demain soir, les orateurs qui ont donc des ouvrages vont faire la dédicace. C'est-à-dire demain, pasteur Yvan, moi, pasteur Marcelo, nous ferons les dédicaces de nos ouvrages. Donc procurez-les-vous maintenant. Et juste à la fin du programme, on sera installé là, on vous indiquera pour faire des dédicaces. Amen. Voilà, on gardera peut-être une autre forme de dédicace avant la fin du programme. Amen. Donc les livres sont disponibles. Quelqu'un dit avec moi vendredi. Alors pour la dernière soirée ici au stade de l'université, venons en tenue SPAC. En tout cas, tous ceux qui peuvent se procurer une tenue SPAC, portez-la. Alléluia. Alléluia. C'est bienvenu. Ce n'est pas un ticket d'entrée. Hein. Si tu n'en as pas, tu viens, on va adorer le Seigneur. Ce n'est pas un problème. Mais si tu peux te procurer, on va avoir tout un endroit aux couleurs blanc, marron, du SPAC. Et puis élever, célébrer Jésus pour la dernière grande soirée. Mais le samedi, on a le marathon de la parole. On a la reconnaissance des hommes de Dieu à 10h. Et après ça, on rentre dans un mouvement où tous les intervenants vont s'enchaîner. Et ce sera du côté du centre Kodesh aux deux plateaux, 7e tranche. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que j'ai toutes les infos. On va appeler le dirigeant et puis les chants vont nous conduire. Amen. On a terminé, il n'y a plus autre chose. Mais je bénis tout le monde pour la foi. Bien, ça va. Bon, ok. Le dirigeant va terminer par la prière. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette belle soirée? Pour terminer les annonces, il est demandé à ce que les chaises ne soient pas empilées après que nous soyons levés. Alors on va se tenir debout pour la main finale. Et pendant que tu te tiens debout, tu vas lever les mains vers le Seigneur pour lui dire merci. Merci pour cette soirée, merci pour cette atmosphère d'intimité que nous avons pu avoir avec notre Dieu. Oh, notre Père et notre Dieu, notre époux, nous te disons merci pour ce temps de qualité, ce moment merveilleux que tu nous as donné de passer avec toi. Nous voulons conserver ce dépôt. Permets à ce que, Seigneur, durant toute cette nuit, tu continues de nous parler, tel un amoureux parle à sa bien-aimée. Nous sommes désireux de t'entendre nous chuchoter des mots d'amour. Et nous voulons encore que demain, tu puisses nous accompagner en ce lieu. D'abord, pour les ateliers, mais ensuite pour la plénière, afin que tu nous parles encore et encore. Nous avons tellement soif de toi que ce moment-là, nous le savourons. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, notre amoureux, et béni sois-tu parce que tu nous raccompagnes dans le nom puissant et précieux de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen en donnant une acclamation à ton Dieu? Comment rendrai-je grâce?
à Jéhovah. Car il a fait tant de choses en ma vie. Comment rentrer-je à Jéhovah, car il a fait tant de choses.